ça, un rappeur français l'a bien compris. Il a fait des quartiers chauds de la Thaïlande l'une de ses sources d'inspiration favorites. Il s'appelle Nicolas Salvadori, alias Seth Gecko. Ici, tous les jeunes touristes français le reconnaissent et viennent le saluer. Merci mon pote. Ça va poto ? Cool ou quoi ? Ah petit frère ? Bien, bien mon ami ! Tranquille. Va pas mouvoir. Ça va faire du buzz ça. Voilà pas mal. Vas-y, bonne soirée. Il est devenu célèbre en France grâce à ses clips où il joue de l'image sulfureuse de la Thaïlande. J'ai envie de boum boum, j'ai envie de tac tac. Mais j'ai plus de sous, je suis devenu boum boum, mac mac, mat. Elles se sont toutes refait les nibards. Je vais tout baiser comme Polo dans les 10 bars. Je suis avec ma sale équipe. Des textes crus, des images provocantes des quartiers chauds et des prostituées. C'est cela qui a fait en partie la réputation du rappeur. J'explique dans mes vidéos que c'est un pays accessible, c'est le. Ça brille, hein, tu vois. C'est lumineux, c'est le Miami du pauvre ici. C'est-à-dire que tu peux te payer des vacances de rêve, des vacances de luxe, bah, à des prix défiant toute concurrence. Que ça soit la bouffe, que ça soit l'alcool, le fait que tout soit ouvert 24 heures sur 24. Et les filles. Et les filles aussi, on va pas se mentir. Des filles, des presque filles, et les bars glauques. C'est toute cette ambiance que recherche le rappeur. Cela fait 2 ans qu'il s'est installé en Thaïlande et il vient régulièrement faire la fête à Pattaya pour croiser son public. C'est mon arrivée à Pattaya. Les filles se sont passé le mot que le loup blanc arrive, que l'anaconda en chair et en saucisse arrive sur Pattaya. Donc voilà, je suis accueilli avec un feu d'artifice. C'est la fête ici. C'est le Disneyland pour adultes. Ce soir, Seth Gecko nous emmène dans l'un de ses gogo bars préférés, l'Alcatraz. Ici, le décor rappelle les coursives des prisons, mais les matons sont d'un genre un peu particulier. Comment ne pas être inspiré ? Moi-même, j'ai été incarcéré, et là, derrière les barreaux, c'est des créatures de rêve. Alors, je me régale ici, je fais du lèche-vitrine, je touche avec les yeux, je viens me détendre, boire un verre, évacuer le stress. Ça t'est arrivé parfois de repartir avec des filles de gogo bar? J'ai quand même un vieux complexe de français. J'ai besoin de draguer, j'ai besoin de séduire. J'ai besoin de me dire qu'elle m'aime pour ce que je suis et non pas pour mon argent. Jamais. Tu ne sauras pas dire ce que tu as envie d'entendre, filou.